Salut tout le monde les amis, c'est Dravonic. Aujourd'hui, deuxième jour de calvaire avec beaucoup de vent. On va essayer de remplir cette foutue piscine. On a eu le problème hier de la pente. Donc vous pouvez voir, il y a plus d'eau là que là comme j'avais expliqué. Du coup là, on a pris un niveau qui est dans la main de mon caméraman et une planche pour essayer de trouver l'endroit dans le jardin qui est le moins pentu, où il y a le moins de pente. Et donc voilà, on va chercher ça et on se retrouve tout de suite après. Bon là je suis en train de vider l'eau pour après pouvoir déplacer la piscine dans un meilleur endroit. Par contre on va avoir plein de flotte dans le terrain, c'est pas grave. Non. Bon là il y a le caméraman ingénieur qui réfléchit et qui me dit que là c'est le meilleur moyen, enfin le meilleur endroit plutôt. Il fait toujours dégueulasse, hein. Ça j'ai oublié de vous le dire, mais il fait bien chum. Non, on y est. Ici on a pas de pente. Pas de pente, c'est sur 2 mètres, sur 3 mètres. Est-ce qu'elle se vide bien au moins la piscine? Elle se vide pas du tout, ouais. Ah bah t'as normal, t'as le bouchon qui est là, putain de con. Voilà. Merde. Oui, un peu au moins, je te promets, on a essayé avec l'autre caméraman d'hier. Et ça a pas... Mais tous les jours ils changent de caméraman. Oh putain, là par contre, là il y a de la flotte. Regarde ça. Là je cherche le tuyau parce qu'on a trouvé le bon endroit à peu près, le meilleur endroit. Voilà, bon allez on tire. Wow. Là c'est après tout le monde. J'ai envie de t'arroser là. Donc attends, tu dis que ça on peut l'enlever. Et je m'en fous plein la gueule, hein. Je sens. Attends, j'éteins. Là. Là. Attention parce que là ça va pisser, je sens. Mais oui. Mon dieu, je vais vous porter. L'Apple Watch, elle est waterproof. Non, elle est waterproof. Je pars un petit peu, pas trop. Ah. Mais non! Tu vas couper l'eau là-bas! Ouf. Au robinet! Alors. Voilà, là on va couper l'eau. Parce que Dorian, il fait des conneries. Donc voilà, on coupe l'eau. T'appuies d'abord, appuie fort et après tu visses. Vas-y, bah après tu remets l'eau. Et profite tout de suite là. Et par contre, ce que je pensais là, c'est qu'au bout, il disait de mettre 1 cm et après d'enlever tous les plis qu'il y a au fond de la piscine parce que sinon avec l'eau, ouais. Donc faudra que j'aille dedans. Bon là du coup je me déshabille, hein, parce que je suis bien trempé. Pas jusqu'au bout parce que sinon on va se faire censurer par YouTube. Toi t'es bien trempé jusqu'au bout, hein. Alors là le truc c'est que on devrait... Mais déjà regarde, l'eau elle va là. Mais on a vu qu'il y avait toujours une petite pente, de toute façon il y aura toujours une pente, on a dit. Ah mais là il y a... On a dit que la pente elle était plus petite là que là-bas. On va mettre le niveau là-bas, tu vas voir. Non mais t'as raison. Bon, on va arrêter de plaindre. Attends. Le petit grand écart. Ah bah oui, la bulle elle touche là. Date ça. Ouais non, c'est chaud, il va nous revenir dans la gueule. Je te promets, c'est bon là. Faut que tu le touches pas. Voilà. Et donc là, je m'habille en mode beau gosse. Et après on enlève, je vais enlever les plis dans le... Ouais. Là, je vais mettre mon... Maillot de bain. Alors je vous explique le délire là. On va rentrer dans la piscine. Merde, c'est mouillé, bon dieu. J'enlève mes chaussettes. Et le truc, faudrait que je saute direct dans la piscine. Donc ça va être assez
assez beau à voir. Mais tu tiens le jet quand tu vas. Je vais sauter dans le bout là-bas, tu filmes? Non, tu vas te casser la gueule. Tu filmes? Je vais me prendre le jet en pleine Attends. Tête. Je mets la montre là. Tu filmes la... C'est en train de filmer là, t'es prêt? 3, ouais, ça filme. 2, 1. Ouais, la piscine, fallait s'arrêter à un moment. Oh ouais, si, vas-y, fais un nœud comme ça. Et tu remontes jusque non, juste en dessous de la poitrine. Non mais vas-y, le fais pas. Hein. Le beau. En gros, il dit non, en gros, de se mettre comme ça. En gros, tu lèves comme ça. Voilà, et là, toi, tu pousses. Filme. Filme la star. Voilà, là, c'est nickel, là. C'est super. Non mais pousse là. Eh, hey, t'es bête ou t'en fais exprès? Mais quoi, y'a rien là, ils sont du nickel là? Non, ah oui, mais... Regarde là, c'est un... Oui, je sais, bon allez, avance. Là, 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 y'en a. Putain, je kiffe, allez bien la piscine. Je sais pas, mais elle est censée sortir aujourd'hui. Encore une fois, tu montes tes abonnés. Y'a un pli. Il ment ses abonnés. Y'a aussi, y'a des plis là, là ça commence. Après, je suis en train de filmer le fond de la piscine depuis tout à l'heure et pas toi. Caméraman. C'est intéressant. Caméraman. Attends, mais reviens là, y'a des plis là, y'a un vieux pli là. Il est où le topi? Là. Ah ouais. Mais je t'ai dit, il faut tirer là. Comment? Mais tu tires pas dans la longueur du pli, tu tires dans le travers. Elle est chaude en tout cas. Bah, heureusement, il y a 3 cm d'eau dans le fond. De toute façon, ça sera une piscine à pli, je pense. Une piscine à pli, nouveau concept. Ouais. Gère, on va le dire, on tu va le dire. Filme pas là, tu regardes. Oh merde. Mets ça vers le bas, je suis en train de prendre une douche. Ah non, il pleut. Ah, il pleut. Il pleut là. Ah ouais. Pipi dans la piscine. Ah, on pourrait mettre ça. Cet homme fait pipi pour remplir sa piscine. Ça tourne mal, explication. Ah, pipi. Cet homme fait pipi pour remplir sa piscine. Ça tourne mal, explication. Le bon titre putaclic. Venir. Arrête, non, c'est chiant. Non mais elle est à 20, je crois. Hop. Et voilà, j'ai réussi. Bordel de merde. Oh la pêche, oh le trou. Je vous promets que j'ai pas fait ça. Oh putain. Chier. Putain. Il casse les couilles cette fille. Ok. Voilà, c'est bon. Je le refous là. Mais non, il va encore repartir avec la pression. Elle est remplie presque, pas tout à fait, presque remplie. Je vais montrer un peu ce que ça donne. Ouais, là-bas, je filme. Bon, elle est un petit peu sale, hein. Mais voilà, elle est bien présente. Faudrait que l'eau arrive jusqu'au boudin, comme il disait sur la notice. Mais là, j'ai l'impression, là, elle arrive presque au boudin, si ce n'est qu'elle est au boudin. Là, il n'y a pas trop de plis, mais là, je trouve que, regardez, il y a un pli. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre un peu plus d'eau. Elle est quand même sale à l'intérieur. Il va falloir que je mette le curateur qui se branche ici. J'ai oublié quelque chose, les amis, c'est de mettre le chlore. Et oui, parce que sans chlore, bah, la piscine, bah, elle va être un peu dégueulasse, quoi. Et puis, elle va être vite sale. Alors, du coup, le chlore, c'est trop bien. Elle est là. Ça, c'est le chlore. Par contre, faut que je comprenne comment est-ce que, enfin, combien de carreaux je vais mettre exactement. Parce que vous allez voir comment c'est fait. Voilà. Ok. Ah oui. Ah d'accord. Ah c'est ça le délire. C'est un vieux truc comme ça. Oh, putain. Faire un gros calcul de folie. Alors, juste pour un petit produit en croix. On a pour 50 mètres cubes d'eau. Il faut 2 galets pour 5 jours. Et là, nous, on a 2,25 mètres cubes d'eau. Donc, il faut environ 0,1 galet pour 5 jours et donc 0,2 galets pour 10 jours. Donc, on va essayer de fractionner ça en plusieurs parties. Et on va mettre ça, donc je vais mettre pour 10 jours. Donc, on va mettre, donc déjà, on va le prendre. En fait, je crois que c'était un gros tube, mais non, c'est des petits trucs comme ça. Merde, j'en sors un, je vais te mettre déjà un sur la table. Regardez-moi ça, le travail de pro. J'ai réussi à le couper nickel. Donc on va foutre la pastille là-dedans. Voilà.
on referme. Comme ça, il disait utiliser seulement un type de pastille de chlore dans ce distributeur d'un jeu de produits chimiques. L'incendie. Hein ? Utiliser seulement un type de pastille de chlore dans ce distributeur. Ah oui, ouais, ouais. Ok. Hop. Donc là, hop. Et là, ça va être bon pour 10 jours, normalement. Donc, clac. Je suis bien moqué, ouais. Clac. T'es bon. Voilà. Et là, ça va diffuser le chlore dans toute la piscine. Et c'est nickel. Maintenant, plus qu'à refoutre un peu d'eau et c'est bon. Tant qu'on y est, on va prendre ça. Hop. Et on va nettoyer un petit peu la piscine. Parce que là, elle est bien sale. Voilà. Regardez-moi ça. Coup d'épuisette, ça fait pas de mal. Franchement, elle est pas très très grande, mais elle fait l'affaire hein, pour se rafraîchir quoi quand il fait chaud. Bon là, il pleut. Hein. On est en Bretagne en même temps, voilà. Quoi. Avoir une piscine en Bretagne, c'est pas forcément utile, mais voilà. On va arrêter de se plaindre. Putain, si j'arrive pas à finir en même temps. Si vous voulez une vidéo où je me baigne dedans. Et ben si vous dépassez la barre des 20 pouces bleus, je le ferai pour aller dedans, ça sera plutôt drôle. Mais je sais pas, mais je pense que là, ah ouais, c'est. Attends, on va enlever la bâche 2 secondes là, qu'on voit un peu ce que ça donne. Oh là. Et en plus l'eau, et franchement, on pensait qu'il y avait un niveau, mais l'eau est bien répartie partout. Je sais pas ce que vous trouvez. Pensez, et on va regarder à combien elle est aussi. Ça va être sympa. Vous dites combien? Marquez dans les commentaires. Alors j'arrive à lire 22, elle est. À 22. Juste là. Voilà. Bon, bah nickel. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis pour gonfler cette piscine. Ça a été plutôt drôle sur cette petite série. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je ferai d'autres vidéos un peu de ce style. Et vous inquiétez pas, les vidéos high-tech reviennent très bientôt. Allez, moi je vous laisse pour cette vidéo. Pouce bleu, partagez la vidéo et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et à bientôt.